Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Je voulais aujourd'hui vous donner un exercice pratique pour apprendre les accords. Vous savez que la musique, ce ne sont que des accords qui s'enchaînent les uns aux autres, et donc il est essentiel de connaître les accords, que vous vouliez apprendre à improviser, que vous vouliez apprendre à accompagner des chansons, ou que vous vouliez apprendre à composer. Il faut maîtriser les accords. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu rébarbatif, ça peut être un petit peu embêtant de faire des exercices assez scolaires pour maîtriser les accords à partir de chaque note. On peut le faire de façon beaucoup plus ludique et sous forme de jeu, et en plus développer ainsi, eh bien pourquoi pas, l'improvisation. Donc l'idée, c'est par exemple de prendre une séquence d'accords, une suite d'accords simples, par exemple si bémol majeur 7. Donc les notes, c'est par exemple si bémol, ré, fa, la. Admettons que vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'accord. Bah, le but, c'est de créer un exercice qui va vous permettre d'être à l'aise et de maîtriser cet accord, c'est-à-dire de connaître vraiment les notes par cœur de cet accord. Et admettons, le deuxième accord, ce serait mi bémol majeur 7. Donc les notes, c'est mi bémol, sol, si bémol, ré. Donc, soit vous pouvez jouer l'accord à la main gauche, complet, pour si bémol et mi bémol. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est à la main droite, improviser dans les notes de chaque accord. Mais vous pouvez aussi utiliser un logiciel. Par exemple, actuellement, j'utilise Band in the Box, mais il y a d'autres choses qui existent où vous pouvez créer votre suite d'accords que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez travailler dessus. Par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai programmé deux accords, donc si bémol majeur 7 et mi bémol majeur 7 qui tournent en boucle sur un style swing, jazz swing, mais on peut faire des styles binaires, enfin, on peut faire le style qu'on veut. Et le but, c'est de faire tourner ces deux accords en boucle et à la main droite, d'essayer d'improviser dans chaque note des accords et puis donc de maîtriser comme ça les accords, de les connaître par cœur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est improviser dans un premier temps juste dans les triades des accords. Par exemple, pour le si bémol majeur qui va défiler pendant 4 temps, vous pouvez jouer dans les notes si bémol ré fa de façon complètement aléatoire avec en utilisant le renversement que vous voulez et en utilisant les notes que vous voulez tant que ça reste dans les 4 temps de la mesure de si bémol majeur 7. Et pour mi bémol majeur 7, vous allez jouer premièrement, pourquoi pas, dans la triade de mi bémol, dans les notes de la triade, donc mi bémol, sol, si bémol. Ça vous fait que 3 notes comme ça par accord à chercher. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter par exemple la 7e. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, si bémol. Mi bémol. Si bémol. Mi bémol. En rajoutant les 7e, le but étant de prendre son temps, d'aller bien en profondeur pour maîtriser vos accords, connaître quelles sont les notes qui constituent chaque accord. Et tant qu'à faire, travailler l'impro en cherchant à créer des phrases musicales et comme ça développer votre créativité. Alors, ce sont des thèmes que j'aborde en profondeur au sein de mes cours. Vous pouvez rejoindre ma liste de contacts si vous voulez aller plus loin, en vous rendant sur le site formation-clavier.com. Je vous mets le lien en description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à tous de bonnes impros.